artiste a-t-il tous les droits? Ah, bon, question. Je vais faire une réponse de Normand, je vais dire oui et non, quoi. C'est-à-dire, je pense qu'on peut, on peut tout dire. Par contre, enfin, moi j'ai toujours pensé qu'il faut être, il faut être cohérent avec ce qu'on est, voilà. Donc, on peut dénoncer des choses, mais pas tout, parce que on peut vite basculer dans la donneur de leçons. Enfin, moi j'ai horreur de donner des leçons et je suis souvent assez mal placée pour en donner parce que moi-même dans ma vie je suis pleine de paradoxes, etc. Donc, si je dénonce quelque chose, j'essaie de dénoncer aussi mes paradoxes dans la même. Logique. Et puis voilà, et puis après, après oui, je pense vraiment qu'on peut parler de tout. Il faut mettre la forme, et puis aussi peut-être pas tout. Enfin, il faut être compris, voilà, il faut être compris dans le sens qu'on a envie de donner. Voilà, c'est une réponse un peu compliquée, je pense. Je ne sais pas si elle a. Si on aura compris. Non, mais pour résumer, voilà, c'est l'idée de. On peut tout dire, mais voilà, en accord avec soi-même, et on est sûr d'être honnête et intègre, et avec la limite qu'on se fixe soi-même. Voilà. C'est-à-dire, voilà. Je pense que qu'on se fixe soi-même par rapport à ce qu'on est, mais je pense qu'on peut parler de tout. On peut parler, il n'y a pas de sujet tabou. Après, c'est la manière dont on va traiter le sujet. Il n'y a aucun sujet que je m'interdirais, mais il y en a que je ne pourrais pas traiter parce que je m'en sens ni le. Pour donner un petit exemple avant de terminer, à une époque, j'avais commencé une chanson sur un. Je me mettais dans la tête d'un prisonnier dans une cellule. Et puis je me suis rendu compte très vite que c'était totalement gratuit parce que j'ai jamais expérimenté ça. Et pour le coup, je ne me suis pas autorisée à le faire. J'aurais pu peut-être fantasmer un enfermement, etc. Mais je trouvais que le sujet était trop grave. Et enfin voilà, que je me disais qu'est-ce que je vais apporter sur le sujet en faisant, en imaginant la chose. Voilà. Merci beaucoup, Clarica.